Hey, je vais tirer là-dessus. Hahaha, c'était nice. J'ai tué un ou deux là-dessus. Wow, ça a donc explosé. Ouais, c'est clair, hein. Il y avait vraiment un laboratoire de meth. Oh, encore une explosion en plus. Ok. Come on. Excellent. Boom. Boom, voilà trois beaux kills. Good, parfait, il est mort lui tout. Next. Ils sont là-bas, là, sans être courir vers là-bas. Là, faut pas que je meure, là. Pas là, là. Ok, y'a personne. Avance-toi un petit peu. Avance-toi un petit peu. Ah, il se sauve là-bas. Excellent. Next. Next, next, next. Ils sont vraiment partis se sauver, hein. Où qu'ils sont? Oh mon dieu. Oh oui! Good! Je l'ai eu lui. Où c'est qu'ils sont? Il doit pas en rester. Shit! Je les trouverai pas là? Peut-être qu'il faut que je retourne à ma base. Je sais vraiment pas qu'est-ce que je fasse là. L'explosion du truc de mettre. C'était parfait. Snacks? No! Get in the fucking truck! Ah, good, je pense qu'on a fini. Wade? What are you still doing here? You said. I said go find a fucking ghost in Los Santos, alright? You looking for motivation? And good. Get me some sticky bombs! Fait que Wade est plus avec nous autres, j'ai réussi la mission. Finalement, c'était compliqué. Rejoignez la caravane au bord de la rivière. 700 mètres. C'est weird, par exemple. Parce que. It's one thing messing with tweaked out bikers, but the Aztecas? Man! The Aztecas. Just a name. Is he Illuminati as well? Anunnaki? Not one of those lizard people? I got this Chinese contact you can meet at the inn. He'll buy all the meth we can cook. There he is! Let's wake him up. What? Oh shit! With the truck? No, come on. Ortega runs the whole county. Pousser la caravane dans la rivière. Oh my god! Ortega, c'est genre le leader des dealers de drogue ou whatever. Là, on le pousse derrière. L'autre, il est tombé. Il n'y a pas rapport, me semble, l'autre personnage avec qui on est. What the fuck, Trevor? This is the fuck, my soggy friend. You are out of business. The Lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going! Saying something don't make it true! They're gonna greenlight you after this! Oh shit! You get the picture! We was always cool! Ah, si ça me donne le choix de le tuer ou pas, je le tue pas, là. The shot callers ain't gonna be happy! Nah. I think he gets it. Ouais. I go away, man, but my people... I think he gets the message. Let's go. We can go now, right? Ouais, j'en vais. Ça m'a pas dit de le tuer, ça m'a dit de le menacer. Fait que je l'ai menacé. Là, il fera ce qu'il veut, mais à ce temps, c'est moi qui l'ai, c'est ça? Faut que j'aille chez Ron, c'est vraiment interminable. La première mission de Trevor est malade. Surtout qu'elle est intense et tout. Ah, oh, pis les... Ah, oh, come on, il y avait un arbre. Fallait que je pogne dedans. I always said I was gonna take over. People say all kinds of stuff when they're 3 days into a smoking party. You calling me a bullshitter, friend? Clearly not. No way. You're a man of your word, as evidenced by said events. If I say something is going to happen, it's going to. Maybe not today or tomorrow, but as soon as the moment is opportune. Understood. Yes, sir. If I say I'm fucking dead, then fucking dead I am! I'm not gonna raise my balding head on a beach in 10 years' time saying, all is well! Is this about the ghost? Michael fucking Townley, yes it is! Oh, you told me about him, your old running buddy. And who is the other one? Brad was the other one. He's locked up in a federal penitentiary. When he finds out Michael survived that job. Yeah. Whoa! Yeah. What do you think happened?
I knew what happened, I wouldn't be bemoaning these last 10 years I've spent in ignorance. Some say ignorance is bliss. Get out of the car, Ron. Any time to think. On est allé porter Ron, c'est ça? Cours, asti. Oh, je t'ai dit que lui, il en a des couilles. La planque de Trevor, plus regarder les véhicules, les garer dans le garage ou les modifier dans n'importe quel garage de Santos Custom. Parce que je trouve que ce char-là, c'était pas mal avec la résidence. Ah oui, le lit parfait. Parfait comme lit, ça. Ça ressemble pas mal à ça, ma chambre, je te dirais. Non, c'est... imagine. Oh. Explorer la caravane pour découvrir les activités disponibles. Y'a pas... ça va pas être une longue visite, en tout cas. Ça va être assez rapide comme, comme visite. Y'a quoi à faire, tu penses? On peut sûrement genre boire ou de quoi. Monsieur Phillips, pas de survivant. Tire la tête 4 sur 12 seulement. Boire une bière, ouais, on va faire ça. On va faire ça. On peut-tu boire une bière, là? Des salons de tatouage sont maintenant ouverts. Come on, boire une bière. Come on! Appel entrant, Ron. Qu'est-ce que tu veux? You know I don't like choosing these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you, and you know how I feel about that. Okay. On va prendre une petite pipe sur Wazer. Yes. C'est pas trop long, hein? Aïe, aïe, aïe. Boire une autre bière, arrêtez de boire, c'est correct, juste une sans masse, sans masse. Bon, le Ron, qu'est-ce qu'il va nous faire, le Ron? On peut-tu changer aussi? Ah, oh, il y a un C aussi. On peut changer, voyons voir qu'est-ce qu'on peut mettre. Tenue. Ah oui, il va falloir se changer. Costume. Costume 3 pièces, pas de costume. Veste de costume, pas d'article. Non, non. Lunettes. Lunettes de sport. Pas de lunettes. Lunettes street. Oh, aviateur d'acier, ça j'aime ça. On garde ça. Oui, j'ai vu lunettes d'acier. Ouais, j'ai vu. Ok, souhaite à capuche, noir. Non. Pantalon. Je pense que les pantalons de survêtement font pas mal dans ce cas-là. Alors, remarque que le tri noir, ça peut être nice si on le met tout en noir. Polo. Ah, mais... non, non, il est pas propre de même, ce gars-là. T-shirt blanc, t-shirt douché. J'ai le camouflage. Ah, attends, camouflage forêt. Parfait. En plus, c'est le temps de la chasse, là. Ouais. On s'est changé. Good. Épreuve tout terrain. Venez participer à l'une des courses les plus palpitantes du pays. Relever les défis au volant de course de tout terrain. Ça. Oh, je veux faire ça. J'ai attendu ce bout-là depuis longtemps. Pas chef. T'as peu. Email. J'ai déjà bien des emails. Salut, c'est Brad. J'espère que tu vas bien. Mon dernier message commençait à dater. Les gardes disent que j'aurai peut-être bientôt droit aux visites. Je suis sage. J'espère que tu me tiens à carreau. Toi aussi. Ou mieux, que tu envisages de rendre... C'est quoi? Que tu envisages de te rendre. C'est pas si mal la prison, je crois même que ça te plairait. Mikey me manque toujours autant, mais il est mieux là où il est. J'ai pas de mec. Merci d'avoir demandé, ça se passe pas comme ça en prison, sauf pour ceux qui veulent. Eww. Ok, Big Bad Ron. Salut Trevor, je viens de rencontrer des membres de la secte des altruistes. Ils ont un camp dans la montagne et ils disent qu'ils sont prêts à payer pour qu'on leur amène des brebis égarées qui ont besoin d'être sauvées. Ce serait de l'argent facile. Et apparemment, tout ce qu'ils veulent, c'est les avoir à dîner, Ron. Okay, fait que ça, j'imagine, c'est la chasse. Mods, ça, c'est Lost Custom, on s'en fout. Guns, ça, c'est beau, on s'en fout. Et Events, on est participé à l'une des courses les plus palpitantes du pays. Relevé, blablabla, blablabla, blablabla. OK. Donc, on va aller voir ça. On va aller voir ça, les courses. Ça m'intéresse. Ça, c'est les tatous, pas besoin de tatous. Pas besoin de tatous, pas là, en tout cas. Un inconnu détraqué ici. Ça, c'est qui, ça? Chinois. OK, c'est la mission pour le chinois. C'est où les courses de 4 roues? Oh, ici. Voilà. On s'en va faire ça direct là. On va finir cette vidéo-là par une course de 4 roues. Sauf ça me prend un 4 roues, par exemple. Non, j'imagine qu'ils vont m'en donner un une fois que j'arrive là-bas. Hein. Au pire, si j'en croise un, je le prendrai. Ouais, c'est ça qui va arriver. Shit, c'est bien loin. 5 kilos? 5 kilos pour aller faire une course de 4 roues? Oh, shit. Une chance qu'on ait du bon beat. Là, je suis en train de m'éloigner en plus. Hein, ça va bien. Ok, c'est correct. Là, je me rapproche. Ouais, Trevor, tout qui est un personnage, mais on le savait que ça allait être un personnage de fou. Il le montrait dans les previews, puis tout le monde le savait, mais c'est, je suis content enfin de l'avoir débloqué. Il y a ça au moins de le fun. Parce que, en plus, on n'est plus dans la ville. Tu sais, c'est la première fois dans un jeu de GTA, en tout cas, que je suis pas mal certain de ce que je dis là. Qu'il y a un genre de désert, puis qu'il y a une place vraiment plus pauvre, comme ça, puis c'est vraiment plus des drogués, puis
tu vois que ça va pas bien, ils sont pas riches, etc. Fait que c'est assez intéressant. Je trouvais ça le fun d'enfin avoir débloqué ce personnage-là pour vivre ici, tu sais. Avec la musique country, puis les courses de quatre roues, puis les montagnes, puis les déserts, puis aussi les chars différents. Tu sais, quand t'es dans la ville, il y a rien que des beaux chars ou des genres des camionnettes, des trucs. Même là, ici, il y a vraiment des dumb buggies, des quatre roues. Check encore un dumb buggy. Oh shit, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est impossible, j'allais même pas si vite que ça. Wow, ça c'était weird. Check, en plus, mon char, il est juste là. C'est mon char, ça. Hein? Comment tu veux que je... En tout cas, bref, c'était weird. Mais on va prendre... On peut-tu prendre le dune buggy? Ah, y a plus de roue, fuck off, y a plus de roue. On va prendre lui, là. Ça donnait rien de prendre l'autre. C'est du Johnny Cash? Oups, excuse, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, tabarnache, attends un peu. Oh, Johnny Cash! Oh, mon Dieu! Ah, c'est tellement bon. Oh. Ah ouais, continue, go. Go, parfait. Je veux dire, comment tu peux ne pas avoir un sourire aux lèvres actuellement? Ah, oh, c'était là, calé, ça m'enlève mon sourire. General Lee. Shit, c'est donc bien loin les courses de 4 roues, ça a pas de bon sens. Ça, en plus, c'est une rue assez dangereuse, merci. C'est, les chances que j'aille dans la rivière, que je finisse mon chemin dans la rivière sont assez élevées en plus. General Lee. Oh mon Dieu que c'est loin. On est quasiment rendu là. Bon. Oh, il y avait Dune buggy. En tout cas, peu importe. Qu'est-ce qu'il vient de dire là dans la radio? Hey, je t'avertis, si ça prend un 4 roues là. Ah shit, là je suis fait, hein. Come on. Remets-toi du bon bord. Come on. Yes, je vais l'avoir. Si ça prend un 4 roues là, je vais être en calvaire là. Ça sera pas drôle là. Pourquoi ça avance plus tout à coup là? Ouais, c'est bon, avance. C'est mieux d'avancer. Bon, il est encore bon mon truc là. Go, avance! Mon Dieu! Ah, good, parfait, il y en a une là. Ah, ouais, donc. S'il te plaît, je veux participer. Non, je veux pas le voler, excusez. Arrêtez! Ah, oh, faites-moi pas mal, je veux pas le voler. Je voulais juste faire une course de 4 roues, je sais pas comment ça marche. Fais-moi pas chier, come on! Je veux juste participer. Non! Ok, je vais me sauver, je vais revenir. Calic, c'est pas chiant ça. Ils veulent vraiment me péter la gueule là. Aïe aïe aïe. Faudra que je revienne, j'imagine. Ça, laissez-moi tranquille. Ah, oh, c'est tout ça pour ça. Come on, j'espère que je vais pouvoir la refaire. Ils vont-tu m'oublier là, tu penses? Je veux dire, j'espère qu'ils vont m'oublier à ta peu là. Non, il n'y a plus de course. Sérieux là? Ça, c'est quoi? Hein? Ah, ça, c'est Trevor. Ouais, ok. Mais il y a aussi une place pour se changer, je comprends. Hey, j'espère que je vais pouvoir refaire la course. C'est quoi, faut que j'attende combien de temps là, tu penses? Merde, man. Je vais faire la course de 4 roues. Come on, je vais faire la course de 4 roues.
Oh yes, c'est revenu, parfait. Là, c'est bon. Phew. Ça aurait été fâchant, crif. Check ça, là. Damn. Vous me reconnaîtrez pas, là, j'espère. Là. Commencer la course souterrain. Yes! Voilà, voilà. Oh. Bon, let's go, come on. On va gagner ça, ce course-là. Shit, il est donc élite à bien de même. C'est pas une course de 4 roues, c'est une course de moto. Ok. Voyons voir comment ils se comportent, les computers. Pour l'instant, ils sont plus rapides que moi. Mais t'as-tu vu leur départ aussi? C'est impossible. Ok, là, je vais l'avoir. Là. Shit, ça se bat, eux autres. Ils peuvent-tu... peux-tu tomber? Non, j'ai dépassé, c'est bon, ça fait. Je suis deuxième. Oh shit, c'est un 4 roues en premier en plus. Ça, c'est pas fair. C'est pas légal, ça. Si, ya. Et voilà, je suis premier. Ça a pas été long? Crime facile. Vous avez rien dans le ventre? Je sais pas s'il fallait que je gâche, mettons, de l'argent pis tout, pis que j'en gagne pas mal ou j'en gagne rien. T'auras assez d'argent pour t'acheter ta drogue pis boire tes bières, hein, mon Trevor. Avec cette victoire-là. C'est quasiment dans la poche, là. Je suis un pro. Ils sont même plus dans mon radar. Ils sont même plus nulle part. Parle-moi d'une course facile. Ça m'a pris 30 secondes de dépasser. Oh mon dieu. J'espère qu'il n'y a pas genre 6 tours. Sinon, ça va être interminable pour rien. Oh shit, attention les Bambi. Hey, je vais vite là. Ça descend en plus. Good, parfait. Attention Bambi. Good, on l'a. C'est dans la poche, on est en contrôle. Ah voilà, c'est facile. Ouh, ça c'était pas trop top. Combien j'ai gagné? Je les ai détruits bien raides. C'est incroyable. C'est sûr que j'ai eu l'or. Continuez. C'est, j'en reviens pas quand je les ai pétés. C'était même pas serré. Même pas serré, buddy. 500$. Comment ça qu'il y a 109 000? La tenue Moto X a été achetée à votre garde-robe de Trevor. Ah oh ben. J'ai 109 000? Comment ça qu'il y a 109 000? Je viens juste d'avoir le personnage, j'ai pas besoin d'être pauvre. Nouvelle course tout-terrain débloquée. Voyons voir. Ouais, t'as l'autre bout de ton corps. Fuck off. Bon, ben, gars. On arrête ça là, puis dans la prochaine vidéo, ben, on va continuer avec Trevor, on va faire la mission chinoise, la mission... Ça, je sais pas, dites-moi si ça vaut la peine de faire ça, les je le sais pas. Juste que j'aime ça continuer l'histoire au lieu de sortir l'histoire pour faire une genre de mission un peu weird. Tu sais, la dernière fois, Tonya, ça me tentait pas, là. Fait que dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, si je devrais les faire, les missions de même, ou pas. Puis on va continuer avec Trevor dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté ça, mon chum, on se reparle bientôt, ciao, bye!